Bonjour tout le monde, c'est Neto HD et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc je voulais vous faire une vidéo sur le nouveau DLC de Battlefield 3 qui n'est autre que The End. Oui voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, donc étant donné que la vidéo va durer un petit peu longtemps, je vais vous parler de plusieurs choses dans cette vidéo, notamment du DLC et puis après du dernier sujet, du sujet que je voulais devais vous parler dans la dernière vidéo. Alors pour commencer, si vous avez vu, il y a une intro d'une chaîne communautaire, donc c'est Foodie, donc je vous en parlerai après, qui m'a fait découvrir cette chaîne en m'envoyant le lien du site. Et puis je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de Battlefield sur cette chaîne. Et donc j'ai voulu leur envoyer de ce gameplay. Donc merci à vous si vous m'acceptez. Voilà. Donc direct dès que je me suis abonné à la chaîne, en fait ça m'a de suite plu. Et donc j'ai de suite envoyé ce gameplay. Enfin voulu télécharger leur intro pour leur envoyer ce gameplay. Voilà. Donc tout d'abord, une des nouvelles nouveautés. Oui bon, c'est normal puisque c'est une nouveauté, c'est forcément nouvelle. Oui voilà, je m'enfonce. Et ben c'est les motos, vous aurez marqué des petits véhicules comme ça. Donc c'est très sympa et vous verrez, il y aura, donc là j'ai fait une petite course poursuite, donc c'était une action très sympathique. Et vous allez en voir d'autres qui vont arriver dans pas longtemps. Donc je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout, car dans cette vidéo en fait je vais essayer de vous montrer un peu toutes les nouveautés de ce DLC. Donc tout d'abord il faut savoir que dans ce DLC il y a donc lui déjà je roule dessus en moto, ça c'est pas mal, ça m'a bien fait kiffer. Une des nouveautés de ce DLC c'est donc les 4 maps, je vous ai dit les véhicules. Et il faut savoir que chacune des maps représente une saison. Donc cette map c'est l'automne je pense, parce qu'elle a des couleurs un peu rouge coloré, et c'est l'une de mes maps préférées graphiquement. Et d'ailleurs je crois que tout court c'est l'une de mes maps préférées de ce DLC. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est barrage de je sais pas quoi. Bon, on s'en fout. Voilà. Donc voilà cette map. Après il y en a 4 autres. Donc il y a aussi une map enneigée. Je crois que c'est tout nouveau sur ce Battlefield. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et ce DLC je vous le conseille vraiment, parce qu'il y a vraiment des trucs énormes dedans, des nouveautés. Et ça révolutionne vraiment. En fait on a l'impression de jouer à un autre jeu. Bon, rester quand même sur Battlefield, mais on a l'impression que c'est un nouveau jeu. Ça change d'air et c'est pas si mal que ça. Même moi si je l'ai eu il y a pas longtemps, voilà, il est vraiment pas mal. Et là vous voyez, donc avec ma moto je monte sur les passerelles, donc vous voyez c'est très maniable, vous pouvez faire n'importe quoi avec. Il y a moyen à mon avis de se taper de gros délires avec des potes. Alors là je vais faire une action un peu débile. Donc là je vois un gars là-bas, je me suis dit tiens on va aller l'écraser. Donc il comprenait pas trop au début, mais après il s'est mis à me tirer dessus et à me tuer. Voilà, donc il m'a trollé tout simplement. Donc je vous ai parlé des maps et maintenant je vais vous parler des modes de jeu. Donc il faut savoir que Battlefield j'ai eu il y a pas très longtemps, je l'ai eu il y a 2 semaines, donc pour ceux qui seraient pas au courant. Et donc je ne connais pas s'il y a des, si dit des choses fausses ou quoi, n'hésitez pas à me rectifier parce que je m'y connais pas super bien dessus. Donc si je dis des bêtises, ben rectifiez moi dans les commentaires. Voilà. Alors du coup je vous ai dit ça, je sais plus ce que je veux dire. De toute façon ça m'a... Ah oui, je voulais vous parler des modes de jeu. Donc ils ont rajouté pas mal, ils ont rajouté 2 modes de jeu je crois. Donc dites moi si c'est ça ou pas. Alors il y en a un, c'est la capture de drapeau, qui je crois n'existait pas à l'époque, enfin avant ce DLC, enfin avant ce DLC sur Battlefield 3 tout simplement. Voilà, donc enfin capture de drapeau hein, c'est le même principe que sur Call of Duty, vous allez chercher un drapeau, vous le ramenez, etc. Moi je le trouve pas excellent, je préfère plutôt la conquête, qui est vraiment mon mode de jeu de prédilection sur ce Battlefield 3. Voilà tout simplement. Après il y a aussi un autre mode de jeu qui à mon avis vous est
que vous n'avez pas loupé, donc vous avez déjà entendu parler, c'est le mode de jeu supériorité aérienne. Donc ça c'est juste énorme. Donc je l'ai testé et je vous dis, je suis vraiment une grosse merde en avion. Mais l'avantage, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des points. Et ces points, vous pouvez les capturer. Quand vous les capturez en drapeau, ça vous fait des points. Donc vous gagnez 450 points gratuits en tournant autour de drapeau. C'est juste énorme, juste gratuit. Donc en une seule partie, je vais vous dire, j'avais rien. Je vais vous dire, en avion, j'avais rien. J'avais juste les missiles téléguidés, quoi, les missiles infrarouges. Et je suis arrivé jusqu'au nacelle de roquette, je crois, enfin non, le truc au-dessus. Voilà, donc j'ai EP de 6 levels en avion, c'est juste énorme, et ça en une partie. Donc là, vous voyez une action. Donc, vous voyez, je prends ma moto pour aller prendre les hélicos ennemis. Donc là, je prends le Little Bird et je vais en venir à un sujet sur ce Battlefield 3 et plutôt sur. Sur ce DLC qui est, et c'est vraiment plus marqué sur ce DLC, c'est le spawn kill, voire le spawn trap. Là vous voyez, on est tous au dessus et si vous regardez derrière moi, il y a quoi, il y a 3-4 chars, et là les ennemis ils peuvent rien faire vu qu'on a tout, on a tous les objectifs. Donc sur ce mode de, sur ce DLC, c'est bien dommage qu'ils aient mis ça, parce que si vous êtes fort, il n'y a pas de souci, vous faites pas spawn kill ni rien, mais si vous êtes en face, vous faites littéralement éclater et vous n'avez pas d'autre choix que de rage quit. Voilà, donc ça c'est dommage. Mais bon, enfin c'est dommage, mais c'est aussi un avantage. Donc moi je l'ai fait sur cette partie, hein, j'en ai pas honte. De toute façon, soit vous faites du spawn kill, soit vous faites pas de kill, mais de toute façon je suis une merde en avion et je vais vous l'avouer, je vais faire aucun kill dans ce Little Bird. Ouais, je crois que ça fait comme ça. Malgré que j'ai eu du mal à le prendre, voilà. Après, question véhicule aérien, il n'y a eu aucune variation, ils n'ont rien changé, ils n'ont pas ajouté de véhicule dans ce DLC, ce qui est bien dommage. Donc là je me fais un petit kiff, vous voyez, si vous voulez, je me pose et je tire en même temps. Donc là vous voyez, je sais pas si vous avez vu cette espèce de Jeep, mais en haut de cette Jeep, vous avez une espèce de canon anti-aérien. Et ça, c'est juste énorme, car en fait, c'est un véhicule et vous avez des canons anti-aériens. Si vous vous mettez au poste de tireur, donc c'est comme par exemple sur les Jeeps, au poste d'artilleur. Donc si vous vous mettez à ce poste, vous pouvez loquer les véhicules ennemis, enfin les verrouiller. Et après leur envoyer vos missiles. Donc ça, c'est peut-être le truc qui manquait sur ce Battlefield, car quand vous étiez à terre avec, faut le dire, avec l'espèce de striker, ça s'appelle pas comme ça, mais moi je l'appelle comme ça, avec l'espèce de striker, les avions vous les déverrouillez. Mais le souci en fait, c'est que vous les déverrouillez, mais qu'à petite distance c'est avec. Et ce véhicule a vraiment une longue portée et peut littéralement défoncer, on peut dire, les avions ennemis. Contrairement à la DCA qui ne sert quasiment à rien, ce véhicule est vraiment utile. En plus, il va très très vite, donc vous pouvez vous en servir en tant que Jeep. Voilà. Donc là, vous voyez, avec mon coéquipier, on gérait bien dans l'hélico. Enfin, pour ce qui est de réparer, on gérait bien. Donc là vous voyez, je me suis un petit peu chié le décollage, c'est parce qu'il était endommagé. Et si vous voulez, il se déportait vers un endroit. Voilà, donc aussi si vous avez des conseils à me donner sur Battlefield, n'hésitez pas, car moi je ne prétends pas être le roi du monde sur ce jeu. Je ne prétends pas du tout tout connaître. Je suis vraiment pas fort. Enfin, je viens juste de commencer, même si je suis niveau 30 déjà, ou niveau 20, je sais plus, enfin niveau 28 je crois. Voilà, je suis vraiment pas une machine de guerre, donc n'hésitez pas à me donner des conseils, ou quoi que ce soit pour m'aider à m'améliorer sur ce jeu. Donc après, je vous ai parlé des nouveaux véhicules, il y en a aussi un nouveau qui ressemble un peu à un truc anti-char. Un char anti-char qui lutte contre les chars ennemis, donc c'est un espèce de, je sais plus comment on appelle ça, de
Non, je sais plus, c'est un véhicule terrestre assez gros, et si vous voulez, il tire des petits canons. Donc celui-là, je crois qu'il est nouveau, qui était pas exactement comme ça avant, mais. Et voilà, tout simplement. Donc des vidéos sur ce DLC, je vous en referai, ça c'est sûr et certain. Je pense que le prochain, j'essaierai de vous faire un petit mode de jeu supériorité aérienne. Mode de jeu que je vous conseille énormément, même si vous êtes une grosse merde dans l'avion, il n'y a pas de souci. Moi, dans la première partie, non, c'était la deuxième, dans la deuxième partie que j'ai faite, j'ai pas capturé que les objectifs. Je vous ai dit, j'ai tué 5 mecs et j'ai EP de 5000 et plus, je crois, en avion. Donc, ce qui est juste énorme, j'avais jamais vu ça. Donc ça doit être pas mal qu'ils fassent ça aussi avec les hélicos, parce que les hélicos, je suis une grosse merde aussi, tout simplement, et ça vous permet vraiment de vous améliorer quand vous avez un peu de mal. Donc là, vous voyez, je reste pas mal de temps dans l'hélico, j'aurais pas dû rester autant de temps, car ça gâche un petit peu le gameplay, surtout que je fais aucun kill, vu que je suis totalement une merde. Regardez, les ennemis, ils sont juste en dessous, j'arrive même pas à les ajuster avec mes nacelles de roquettes. Voilà, mais vous inquiétez pas, je crois que là je vais mourir comme une grosse merde, et ça va permettre de vous montrer les deux autres véhicules dont je vous ai parlé. Alors, l'autre sujet dont je voulais vous parler, c'est tout simplement des amis à moi qui font des vidéos sur YouTube. Donc je voulais juste vous en parler, puisque si vous voulez, on est en quelque sorte en lien. Donc ça a pas trop rapport avec la chaîne communautaire, mais il fallait absolument que je parle de ça. Donc la pers première personne dont je vais parler, c'est tout simplement Storming. Donc la plupart de mes abonnés le connaissent. Il fait, si vous voulez, il a une chaîne communautaire de 40 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, parce que franchement, il les mérite. Et si vous voulez vraiment me suivre, en fait, il faut vraiment aller s'abonner à sa chaîne, puisque on joue tout le temps ensemble, si vous voulez. Donc dans presque chacune des vidéos, on parle l'un de l'autre. Donc là, vous voyez, je vous montre le nouveau véhicule. Donc c'est comme ça à l'intérieur. Là, vous êtes au poste de tir et vous déverrouillez les avions. Voilà. Donc j'en reste à Storming, et voilà. Donc il a déjà, on a, j'ai déjà fait deux lives en zombie avec lui. Donc là, le sien, normalement, il doit l'uploader. Donc je sais pas s'il l'a fait à l'heure où vous voyez cette vidéo ou quoi. Mais voilà, faut vraiment que vous abonniez à sa chaîne, parce que tous les deux, c'est comme si c'était un peu la même chaîne. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais on se complète dans chaque vidéo, on parle l'un de l'autre et des anciens déliers, des délires. Il va aussi créer un nouveau concept. Donc ça, c'est sur Battlefield. C'est tout simplement, on fait les idiots sur Battlefield, et il va filmer ça et les mettre sur sa chaîne. Donc ça va être une sorte de petite aventure suivie. Donc là, au passage, petit dérapage trop stylé et tout. Voilà, donc il va nous faire des petites vidéos comme ça, bien sympathiques. Après, il y a aussi Fuzzy, donc la X-French Fire, dont je vous ai parlé. Donc c'est eux qui m'ont montré donc cette chaîne YouTube. Voilà, donc cette chaîne s'appelle la YouTube Multigaming. Donc désolé, pendant 30 secondes, j'ai eu un gros bug, mais c'est pas grave. Voilà, donc allez voir sa chaîne aussi. Il est dans ma ils sont tous les deux dans ma Xbox, et je mettrai le lien de leur chaîne dans la description. Donc il fait aussi des vidéos Battlefield. Ils sont à deux, si vous voulez. Je trouve le concept vraiment bien. En plus, ils font franchement du bon boulot, et voilà. Donc big up à vous, les gars. Une grosse dédicace à vous, et j'espère que vous irez loin dans votre aventure YouTube comme Storming. Et le nouveau dont je vais vous parler, c'est Armando Rio. Donc je vous en ai parlé vite fait dans une vidéo qui a d'ailleurs bien marché, qui vous a bien plu. Alors Armando Rio, si vous voulez, il vous fait des montages, et vraiment les montages qu'il fait, ils sont énormes.
Et ce qui m'amène, donc là vous voyez au passage petit troll, je me suis fait troller aussi par derrière, mais bon c'est pas grave. Ce qui m'amène à un sujet, c'est justement ce qui m'a fait. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que dans la Xbox de YouTube Multigaming, donc la chaîne communautaire à qui je vais envoyer cette vidéo, il était présent dans cette Xbox, donc ça m'a fait vraiment bizarre et il les a aussi là-dedans, donc c'est vraiment une grande drôle. De coïncidence, surtout que lui a 70 abonnés comme moi et que la chaîne communautaire a 200, donc c'est vraiment bizarre. Donc dis-moi d'où tu les connais et tout, enfin voilà, juste pour savoir. Bref, et donc il fait des montages et c'est juste énorme ce qu'il fait. D'ailleurs, faut que je le mette aussi dans la Xbox parce que ce qu'il fait, c'est vraiment surkiffant et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aimerais beaucoup vous le faire découvrir. Voilà, cette petite vidéo va toucher à sa fin dans quelques secondes. J'espère que vous l'aurez regardé avec moi jusqu'au bout. Donc, c'est le cas, je vous en remercie énormément. Je sais, le gameplay est pas top, mais je voulais absolument vous présenter une vidéo sur ce nouveau DLC avant qu'il y ait que des vidéos dessus, même s'il doit déjà y en avoir pas mal. Et au passage, on va finir sur un petit troll bien sympathique. Donc là, vous voyez, je vois un mec sur la route, il court, je lui cours après avec mon chalumeau. Et j'ai juste envie de lui crier les fesses. Donc là, c'est un PGM, j'ai envie de dire. Il y a trois tanks, il y avait trois tanks, il a survécu. À côté de moi, il y a un ennemi. Il y en a deux, il y a un tank derrière là-bas. On est deux, hein. On est deux sur lui. Le mec, je sais pas comment il a fait pour survivre. Hein. Voilà, donc je l'ai quand même grillé, donc GGH, toi. Je te dis bague. Bref, salut à tous, c'était NettoHG. Ciao tout le monde, à la prochaine. Et on se quitte sur ce magnifique troll.